قلوبا بالهداية والتقى، وللطريق كي أراه يطيب، كي أراه يطيب لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شخصا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de ces cours et l'importance de la consommation du licite et la grande répercussion que cela a dans la vie du musulman, dans la vie du croyant. Donc l'incitation de ce noble hadith à se restreindre au licite, et que cela influe sur une chose, une grande adoration dans la vie du croyant, qui est sa relation entre lui et son Seigneur, qui est l'invocation. C'est une des causes, le licite et la consommation du licite, c'est une des causes que les invocations, les demandes d'invocation, et la personne elle est dans le besoin de son Seigneur de manière journalière, de manière continue. Elle ne peut se passer de son Seigneur et de lui demander dans ce dont il a besoin dans sa vie d'ici-bas ainsi que dans son au-delà. Eh bien, le licite fait partie des moyens et des causes que les invocations soient exaucées, à différent de l'illicite. Même si la personne a réuni les causes d'acceptation des invocations, s'il y a des obstacles qui sont causes de non-exaucation, des causes que son invocation ne soit pas exaucée, eh bien, cela est malheureux et un grand mal pour le croyant. Comment peut-il se passer de ses demandes et que ses demandes et qu'il voit ses demandes non exaucées? Et parmi les causes de cela, la consommation de l'illicite. Donc on voit l'importance de ce noble hadith, car Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de manger les bonnes choses licites. Allah Azzawajal, il dit concernant les croyants: Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Ô les croyants, mangez des nourritures licites que nous vous avons attribuées. Et elles sont multiples, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a autorisé, que ce soit au niveau des nourritures, au niveau des boissons et toute autre chose, au niveau des divertissements. Yani alhamdulillah, yani la personne elle trouve dans cette religion énormément de choses licites qui sont suffisants à lui et qui lui permet de ne pas entrer dans les limites de ce licite et entrer dans l'illicite, de dépasser les limites du licite et d'entrer dans l'illicite. Car dans ce qu'Allah Azza wa Jal a permis et a autorisé aux gens, il y a suffisance. Et comme on a dit, l'impact et l'influence que cela a dans la vie du croyant, dans sa pratique religieuse et dans ses causes d'exaucement de ses invocations. Donc on voit dans ce verset où les croyants mangent des nourritures licites que nous vous avons attribuées, c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un ordre d'Allah de consommer les bonnes nourritures, celles qui sont licites,
qui sont pures et bonnes par essence, et aussi dans le moyen d'obtention de ces acquisitions, que ce soit au niveau monétaire, en argent, ou toute autre chose dont elle a consommation. Et il est demandé de chercher sa subsistance, mais de les chercher dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a autorisé. Et la personne, elle est en adoration par cela, avec l'intention de rechercher sa subsistance dans le licite, afin de se soumettre à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est en adoration dans cela. Comme le prophète alayhi salatu wa salam a dit dans un hadith, ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة. Regardez, subhanallah, le bienfait de la recherche du licite dans les différents domaines qui nous sont légiférés, et tu dépenses de ce que tu gagnes pour ta personne, pour ta famille, pour les gens qui sont à ta charge, et bien dans tout cela, tu es récompensé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, aucun homme n'a gagné un meilleur salaire que ce qu'il a gagné par le travail de ses mains. Et tout ce qu'un homme dépense pour lui, tout ce que l'homme dépense, tout ce qu'un homme dépense pour lui, pour sa famille, pour ses enfants, pour son servant, est une aumône. Donc regardez les bienfaits de la recherche du licite et de le dépenser dans les voies du bien. Ce hadith, il a été rapporté par Ibn Majah et authentifié par Sheikh Al-Albani, rahimahullah, qu'Allah leur fasse miséricorde. Eh bien, cela amène la personne à prendre courage dans sa recherche de sa subsistance, car c'est une chose qui est demandée. Car il n'y a pas meilleur salaire, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que de gagner son argent par le travail de ses mains. Et c'est fierté pour le croyant de se passer des gens et de travailler, quelque travail que ce soit. Il n'y a pas de honte à cela. À partir du moment que c'est légiféré, la personne, elle recherche par cela le licite, elle est récompensée. Elle est récompensée par cela. Et les voies du licite, ils sont nombreux. Les voies du licite sont nombreuses. À l'exemple, par exemple, du commerce. Allah Azza wa Jalla, il nous a légiférer les transactions commerciales, le commerce, dans ce qui est légiféré. Et ça fait partie des meilleurs moyens de gagner sa vie. Et d'être aussi indépendant, d'avoir une indépendance financière qui facilite sa pratique religieuse. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit les transactions usuraires, l'usure. Donc Allah, il nous a interdit des choses, mais il nous a permis beaucoup d'autres. Allah Azza wa Jal, il dit « Wa ahanna Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba » alors qu'Allah a rendu licite le commerce et illicite l'usure. Donc, on voit par cela qu'il est important de chercher sa subsistance dans le licite, car c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la parole d'Allah Azza wa Jal, « Manger, koulou » manger est un ordre nous montrant la licéité des bonnes choses. La licéité des bonnes choses. La personne ne doit pas s'interdire, que ce soit au niveau vestimentaire, au niveau nourriture, au niveau boisson et toute autre chose, au niveau divertissement. La personne ne doit pas s'interdire ce qu'Allah n'a pas interdit,
ce qu'Allah a permis. Bien au contraire, elle doit consommer de ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a autorisé et lui a permis. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. Leur rend licite les bonnes choses et leur interdit les mauvaises. C'est Allah qui rend le licite et qui interdit et qui rend les choses interdites. C'est Allah, le jugement, il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à partir du moment qu'Allah nous l'a autorisé, il n'y a personne qui a le droit d'interdire cette chose aux gens. Et dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, manger des nourritures licites que nous vous avons attribuées, cela comprend l'interdiction de consommer les mauvaises choses. Allah, il a dit manger des nourritures licites que nous vous avons attribuées. Donc, on comprend de ce verset que l'interdiction de consommer les choses mauvaises. C'est pour cela que la personne, elle doit prendre garde à la consommation qui lui est nuisible. Comme nous avons cité les transactions usuraires, al-riba par exemple, ou aussi la consommation des stupéfiants diverses. Car tout cela, ça t'amène à quoi? Ça t'amène à la nuisance de... Ce sont de mauvaises choses connues et qui t'amènent à la nuisance de ta personne, de ton corps, et aussi qui peut même amener à la mort de la personne. Comme par exemple même la consommation des cigarettes. La personne, elle voit, c'est mondialement reconnu. Et ils informent même les gens que cela tue. Et il n'est pas permis que la personne, elle mette fin à sa vie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a rendu sacrée. Donc, l'interdiction de consommer les choses mauvaises, Allah nous l'a interdit. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que ça soit dans les transactions ou dans la consommation. Que ça soit dans les transactions qu'on a, tout comme dans ce qu'on consomme. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Allah subhanahu wa ta'ala dit ô vous qui croyez, ne vous accaparez pas mutuellement vos biens sans aucun droit, mais qu'il y ait entre vous qu'un commerce consenti. Ne vous tuez pas vous-même, car Allah est miséricordieux envers vous. Donc, on voit par cela que Allah subhanahu wa ta'ala dit ne vous tuez pas vous-même. Ni par quelque chose que ce soit. Car cette vie, elle est sacrée. Il n'est pas permis de retirer cette vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu sacré en commettant les interdits et en vous accaparant mutuellement vos biens sans aucun droit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui se tue par une chose, celui qui se tue par une chose sera châtié par celle-ci au jour de la résurrection. Ce hadith, il a été authentifié par l'imam al-Bukhari. Donc on voit par cela le fait de prendre garde à mettre fin à la vie de manière volontaire, sans aucun droit de retirer cette vie sacrée de manière volontaire. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit celui qui se tue par une chose sera châtié par celle-ci au jour de la résurrection. Et ça montre la gravité de la chose. Donc le fait de prendre garde à cela, et aussi de prendre soin de sa personne, et donc
parmi les causes de prendre soin de, de sa personne, le fait de consommer le licite et de s'éloigner, de s'écarter de tout ce qui peut amener à danger à la personne dans, dans son corps ou nuisance dans sa pratique religieuse. Ou nuisance dans sa pratique religieuse et cause de châtiment dans, dans l'au-delà, comme les transactions qui sont interdites, comme la triche dans les transactions, dans le mensonge, le vol, le trafic de drogue et toute autre chose. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit, le croyant il doit prendre garde à cela car c'est, il est en danger par le fait de commettre ces choses interdites et de les consommer. Et aussi dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, manger dans cet ordre, manger, les croyants, manger des nourritures licites que nous vous avons attribuées, ceci réplique à ceux qui interdisent, parmi certaines sectes ou autres, qui interdisent les bonnes choses. Et ils prétendent par cela se rapprocher d'Allah, qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala par le fait de délaisser ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis, en prétendant par cela la az-zuhd. Eh bien, cela est de l'exagération dans la religion, qui n'a pas lieu, qui n'a pas lieu d'être. Tu n'as pas le droit d'interdire une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a permise aux gens et de l'interdire à ta propre personne. Pourquoi ? Parce que Allah, c'est Allah qui te l'a ordonné. Oh les croyants, mangez des nourritures licites que nous vous avons attribuées. Et ces bonnes choses, elles comprennent, ce sont les choses qui sont pures, bonnes, licites et agréables, comme les viandes qu'Allah a légiférées, les fruits, les légumes et toutes les jouissances qui sont licites, comme les épouses, les divertissements qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a autorisés dans les limites du licite. Eh bien, il n'est pas permis d'interdire cela à sa personne ou de l'interdire aux gens en prétendant par cela à la sèse, en prétendant par cela à zuhd. Yani, cela n'est pas permis. L'homme, la personne doit les prendre sans se les rendre illicites, mais aussi avec modération. Yani, dans sa consommation, sans gaspillage, car cela est interdit. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. La personne doit être modérée dans ces choses-là et ne pas entrer dans le gaspillage. Et comme il est venu dans ce verset, et التَّبْذِيرُ, la prodigalité consiste aussi à dépenser dans la désobéissance à Allah sans droit et dans la corruption, comme l'a rapporté Qatada sur ce verset. Donc la personne, elle doit être modérée et dépensée dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. Et quant à celui qui cherche à se rapprocher d'Allah en délaissant les choses licites et bonnes, eh bien il a exagéré dans sa religion et c'est une chose qui n'est pas permis. C'est une chose qui n'est pas permise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui le modèle, c'est lui l'exemple. Alayhi salatu wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mangeait de ce à quoi Allah lui a facilité et permis. Il mangeait de la viande, alayhi salatu wa sallam, des fruits, et il épousait les femmes, alayhi salatu wa sallam, portait du parfum et utilisait les bonnes choses. Donc c'est lui le modèle. Donc comment la personne, elle va prendre d'autres modèles
de gens qui s'empêchent, qui se privent, qui s'interdisent les bonnes choses qu'Allah a autorisées et nous a ordonné de consommer. Puis, par la suite, dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit يا أيها الذين يا أيها الرسل من طيبات كلوا من الطيبات واعملوا صالحا Ô messager, mangez de ce qui est agréable et faites du bien. Et faites du bien, dans la parole d'Allah, et faites du bien, comme il aura été ordonné au messager. C'est-à-dire de manger des bonnes choses. De manger des bonnes choses et faire les bonnes œuvres. Il aura été ordonné de manger des bonnes choses, qu'Allah a légiféré, et aussi de faire des bonnes œuvres. Parce que consommer les bonnes choses, ça aide, comme nous avons pu voir, à l'adoration. Et sa parole, subhanahu wa ta'ala, est faite du bien, ça fait partie aussi du remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala de ce qu'il a octroyé aux croyants, de ce qu'il a octroyé comme bienfait aux croyants. Et c'est pour cela que la personne, elle se doit de rechercher sa subsistance auprès d'Allah, car cette subsistance, c'est un moyen d'adorer Allah. C'est un moyen d'adorer Allah et d'être reconnaissant vis-à-vis des bienfaits qu'Allah nous a donnés. Allah Azza wa Jal a incité à la recherche de la subsistance. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « فَبْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ » Allah Azza wa Jal, il dit « Recherchez votre subsistance uniquement auprès d'Allah. Adorez-le et soyez reconnaissant envers lui, car c'est vers lui que vous serez ramenés. » Puis après, le prophète alayhi salatu wa salam, dans ce noble hadith, a dit, il illustra ses propos par celui qui consomme l'illicite. Regardez, il consomme l'illicite et invoque Allah. Sa consommation, c'est de l'illicite. Et invoque Allah, exalté soit-il. Alors qu'il est en piéteux état. Un état qui devrait impliquer l'exaucement de ses invocations, l'état dans lequel il se trouve. Mais il dispose aussi également de causes provoquant qui sont causes d'exaucement de ses invocations, mais aussi d'obstacles à leur acceptation. Donc, parmi les causes d'exaucement des invocations qui sont présentes, il lève ses mains. Car lever les mains au moment de l'invocation est une cause qu'elle soit exaucée. Le fait que tu lèves tes mains vers les cieux est une cause d'exaucement de l'invocation, et Inch'Allah, on introduira cela au prochain cours. وفي الختام هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى وللطريق